Oh mais ah! 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 Comment tu fais ça? Je t'ai mis un petit café, sans sucre, un petit mini cookies. En fait, c'est un peu le tea time, on se croirait en Angleterre. Il est vrai que la reine d'Angleterre a promulgué une nouvelle loi qui veut que... Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Les mangeurs de grenouilles venus de France... Ils mangeraient même du fromage, dis. Des cuisses de grenouilles. Des baguettes de pain. Sauce béarnaise. Avec un béret. Les feuilles d'or que j'avais sorties il y a quelques mois, tu te rappelles? Je m'en rappelle, ouais. Je les ai pas emballées, elles sont toujours là. Elles sont vachement moins croustillantes. Par contre, hey, comment t'es arrivé en intro là, c'est incroyable. T'as vu mon petit? Moi j'y crois pas moi. Bah ouais. Comment t'as fait? Avec un iPhone. Tu te rappelles, on avait parlé de l'application Pixelmator une fois, qui permet de faire des découpes, découpes de photos. Wow! Ok, montre-moi. Tu sais quoi? Je vais te faire en live, du début à la fin, toute l'intro. Vas-y. T'es prêt? Ça, je vais t'expliquer certaines choses. Je m'explique. Mais dès que c'est mon temps, on passe en accéléré. On passe en accéléré. Et toi, dès que tu veux café, cookie, petite feuille d'or, tu m'arrêtes, me dis. Non, c'est pas, même pas mon petit. Ah ouais, c'est moi qui te donne. Ok. Tu veux une feuille d'or? Non, merci. Boss, boss. On ouvre l'application Pixelmator. Et on va ouvrir la photo sur laquelle je voulais me découper. Ok. Ok. Donc, c'est-à-dire celle-ci, là. Je l'ai extraite de la vidéo. D'accord. Donc, à la base, il y a une photo. Ok, vas-y. C'est une photo, ouais. Je reviens sur les... Parce qu'il y a différents modes de découpe. Très brièvement. Dans sélectionner, ici, là. Tu t'en fous ou... Non, non, je t'écoute. T'as vu? T'as pas l'habitude que j'écoute très sérieusement. Ouais, ça fait bizarre. Je me dis bien, mais qu'est-ce qu'il fait? Dans sélectionner, tu vois, on a plusieurs modes de sélection. Ouais, je vois. Ouais. On peut sélectionner en libre, en magnétique, c'est vachement pratique. J'adore le magnétique. Des fois, ça marche pas. Des fois, ça marche pas. Et puis, t'as le couleur. Alors là, ça fonctionnera pas du tout. Mais le couleur, c'est pratique. Imagine qu'il est tout en noir sur un fond tout en blanc. Tu sélectionnes le blanc, terminé. C'est ça marche. De fond vert. Oui, ça peut être genre chroma key. Ça marche super bien. Parce que au moment où t'as un fond uni et une grosse différence entre les couleurs. Donc moi, là, sur celui-là, je vais plutôt partir sur un magnétique plus libre. Les deux en combiné. Carrément. D'accord? Alors, c'est parti. Vas-y. Alors, c'est parti. T'en sors, mon petit? Ouais. C'est chiant un peu. Ouais. Ça monte pas trop les gaz, les gens qui observent ce que tu fais. Moi j'aime bien. Toi tu arrives bien avec le magnétique. Bon. Moi j'y arrive pas bien. Ça dépend des endroits. Après faut s'arrêter et reprendre parce que sinon des fois il bug. Par exemple là, je fais une petite pause. Petit aparté, je suis en magnétique là. Tu vois mon pull est noir là. Oui, la chaise est hyper sombre. Ouais. Ce qui fait que si j'essaye de magnétique là. Je comprends pas. Tu vois? Là il prend la chaise le coup. Il galère. Ou alors faut le faire en plusieurs fois. Tu fais ça, tu t'arrêtes. Tu fais ça, tu t'arrêtes. Et là ça fonctionne pas mal. Au revoir. En fait, faut trouver un petit peu des stratagèmes. Ouais. Pour y arriver. Le but étant de faire une découpe propre. Peu importe les outils que tu utilises, essaye tous les outils. Fais ton petit bonhomme de chemin, il faut s'entraîner, c'est comme tout. Donc là, tu as fait le contour du tout. Donc là, j'ai fait le contour. Ok, effectivement, tu es tout contouré. Il va falloir que j'enlève l'intérieur de mes mains. On va le faire dans un deuxième temps. Ok, on le fera après. Donc là, déjà, je vais me copier. Donc oui. Et soit tu te copies, soit on pouvait faire inverser et puis supprimer l'arrière. C'est ça. C'est moi, je préfère là. Je me colle, je masque l'autre et puis comme ça, on se met là. Voilà, il n'y a plus de fond. Alors par contre, c'est hyper chum à certains endroits, donc il va falloir que j'y rectifie. On verra ça dans le second temps. Exactement. Avec plaisir. Je vais déjà m'enlever l'intérieur de mes mains. Enlever l'intérieur de mes mains. Allez, je supprime. Bim. On va à l'autre bout. Ah, je vais prendre un petit café, tiens. Il y a un petit goût de gâteau. Mmh. C'est un petit plus. T'as fait autre chose? Non. C'est vrai, tu te sens bien, il n'y a pas de... Ça va pour l'instant. Non, ça va pour l'instant. C'est le tuto
le plus marrant qu'on ait fait du monde. Voilà mon petit, je me suis découpé, alors très très sale. Ouais ouais, on l'a fait à la va-vite. Très très sale. Simplement, je montre quelques effets qui permettent de rectifier. Je ne vais pas le faire dans le détail. On a un petit effet qui s'appelle retoucher, adoucir, où on peut régler l'intensité et puis la taille de l'adoucisseur. Allez, on va se mettre sur un petit 20 à une taille de 30%. Et ensuite, tu peux aller sur un des contours et contourer là. Ah oui, ça adoucit un peu. Tu vois, regarde. Ah oui, c'est tout flou maintenant, c'est tout pourri, c'est bon. Super moche. Ah là, c'est super moche. Sinon, tu as... Bavure. Un bavure, voilà. Bavure, ça bave de fou, je crois. Ah, quoi que. Non, non, regarde là, ça... Qui va à Franco, hein, Franco de Francino. Bah regarde, c'est déjà tout de suite mieux. Ouais, c'est pas mal. Ouais, on n'est pas obligé d'y aller très très fort en Franco, on peut faire... C'est pas mal, j'apprécie. Voilà. Si on prend le temps de... On arrive à avoir des trucs hyper propres, on se rend même pas compte que c'est découpé. D'accord ? J'apprécie. Donc là, j'ai moi, sans fond. Ouais, ah, c'est toi ? Mais mon gars ! Prends un petit café, mon petit. Avec plaisir. Prends un petit cookie, mon petit. Tu veux une feuille d'or ? Okay. Je te montre comment l'intégrer à l'humain ? On peut l'exporter, ouais. Export. Comment tu fais pour l'exporter ? Ah ! Tu peux envoyer une copie ? Faut exporter en PNG. Ouais, PNG, ouais. Attention. D'accord. Parce que si on l'exporte en JPEG, il va considérer le sans fond comme un fond blanc. Ah oui. PNG. Tu enregistres l'image. Ok. Tu retournes dans l'humain. Tu intègres ta photo sans fond. Regarde, tout de suite, je me mets déjà en mode... Je suis dessus, quoi. Hein, comme la real life. Hein. Et puis ensuite, tu veux que je me fasse m'envoler ? On va faire un petit envolage, ouais, un petit truc. Petit point clé. Prêt ? Vas-y. C'est marrant ? C'est rigolo. Voilà. On dirait vraiment que tu décolles comme une fusée. Ouais, ça fait vraiment très réaliste, quoi. Elle est un peu mieux faite dans l'intro. Dans l'intro, elle est mieux faite. Ouais, mais bon, on a pris le temps de le faire. Il y a un peu de travail, j'imagine. Il y a un peu de travail. En post-production. C'est bon ou tu veux voir autre chose ? Non, c'est super bien. Eh ben, j'apprécie énormément Pixel Motor. Mais Pixel Motor, on peut faire plein d'autres trucs aussi. Hein. Mais plein d'autres trucs. On y reviendra une prochaine fois, mais déjà, on peut produire du PNG de qualité. On peut faire des découpes, mais tellement qualitatives. Et est-ce qu'une question me questionne ? Est-ce que c'est comme ça qu'on avait fait copier-coller les doubles ? Et là, franchement, c'est toi de derrière, non ? Est-ce que c'est comme ça aussi qu'on avait fait l'intro de... Tu sais, le film du tunnel, là, jusqu'au-delà du temps ? Il y avait... À base de PNG. Jusqu'au-delà du temps. Jusqu'au-delà du temps. Et c'est comme ça qu'on fait les vignettes aussi. C'est comme ça qu'on fait les vignettes. Tout c'est comme ça. Toute la charte graphique, pratiquement, a été faite avec Pixelmator. C'est fou, ça. Pixelmator est vachement puissant, du coup. Ouais. Il est vendu combien, ce petit logiciel ? Alors, il est vendu. Parce que je crois quand même qu'il faut mettre un billet. Ouais, je sais plus combien il est vendu. Et bah, il est vendu 5,49. 5,49 ? 5,49. Moi, je l'ai mis sans problème. Pour ce que c'est, ouais. Ça, c'est quand même vachement bien. Tu sais, c'est comme l'UmaFusion, on va dire 20 euros, c'est cher. Mais 20 euros, c'est pas cher, quand tu veux travailler un petit peu avec des qualités de trucs, là. Non, 5,49, c'est pas cher pour Pixelmator. Non. À moins que tu me trouves une application équivalente, hein, pour moins cher. Donc, si tu veux une application qui découpe et équivalente, Hello, hello la neige. Dans le sud. Hello, la neige, dans le sud. Dans le pôle sud. Voilà mon petit, tu commentes. Ah moi je commente direct, je vais partager. Tu partages, tu likes. En poussant l'air. Je me mets la cloche et je vais sur le site internet, newsletter, je donne des dons. Allez tranquille les dons. Hein, donne des dons. Non mais les dons c'est si tu peux, hein, tranquille. Hein, bien sûr. On n'est pas là pour braquer la France. Il hein. Y a déjà Macron pour ça. Hein. Allez, on se pète. Merci. Allez. Au revoir. Reviens, on fait des checks.